Go, 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 pas go. Pas long, moi, là. Il n'y pas que la POC avec Gunsmoke, là. Failli l'avoir. Sinon, hein. La fumée sortira de la bouche de mes canons. Bon. Quoi, quatrième essai? Quoi de même? On va voir en combien de temps je vais réussir ça. Ah, désolé. Comment que tu pourrais, au pire, enlève... mets le lien, mais en enlevant... les HTTP, puis les WW, les triple W, en tout cas. Enlève-le, puis mets quand même... Tu sais, dans le fond, je pourrais leur mettre l'option des liens, on s'en fout pareil. Si quelqu'un met un mauvais lien, de toute façon, il y a pas mal toujours un modérateur pour vérifier si c'est pas un lien qui a vraiment pas rapport. Là. Moi, c'est juste pour éviter que certaines personnes qui arrivent de même, là, puis qu'ils essayent d'envoyer des liens inutiles. Comme il y en a certains qui, des fois, viennent juste me déconcentrer. Là. Au moins, il y a des modérateurs pour ça. De toute façon, c'est pas juste des modérateurs, vous êtes des amis en même temps, du monde que j'apprends à connaître au fil du temps. Bon, bon, il va pas voir la mémé cette fois-ci. Mamie. Petit cheval. Yeah, exact. Fait que le monde auront juste à rajouter, évidemment, le triple W, ou ainsi de suite. Ils vont y avoir accès pour l'instant. Au pire, je vais aller remettre les liens. Là. Je vais essayer d'y penser. Tiens, la fiche recherchée. Oh, salopère. Bon, là, j'étais invincible pendant un certain temps, le Yashishi bleu. Me permet de foncer dans le tas. Tiens, on arrive au boss. Grâce à la super affiche comparativement à la version arcade qu'on s'y rend sans avoir, avoir l'option de s'acheter des armes. Si on n'a pas le choix. La version arcade, c'est un jeu. On part d'un point A, un point B. Comme celui-là, sauf que le boss s'accède plus facilement. Comme n'importe quel jeu standard, tandis que lui, il faut absolument la fiche recherchée, sinon le niveau il loupe indéfiniment. On peut avoir le choix de l'acheter au vendeur, mais ça faut accumuler de l'argent. Puis... c'est long. Il faut aussi bien la trouver. Il y en a une de cachée parmi vous. Pas eu besoin du pao, tiens. Ouais, ou genre, ouais, exact. Ou de le demander avant de mettre un lien, ça serait une bonne affaire. Quelqu'un peut aller vérifier quoi que ce soit, tu sais. C'est sûr que des liens. La plupart d'entre vous commencent à se connaître même à l'heure de vous parler. Entre vous autres. Que je pense qu'on. On est tous du bon monde. On est là pour se divertir. Bon, on va aller magasiner bientôt. C'est le fun de pouvoir récupérer les dynamites avant qu'ils explosent. Bon, on va faire quelques petits achats. Oh, se placer, on peut pas tout de suite sur la small bomb dès que possible.
me donne même pas de munitions encore. Oh, smart bomb. Pas assez d'argent pour un cheval, de toute façon ça sert à rien vraiment à ce niveau-là. On n'a pas vraiment besoin. C'est pas encore assez dur. Pour dire quand j'étais jeune, j'utilisais aucune arme, aucune smart bomb. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à ça. J'étais pas un gamer si débrouillard. Moi, je gamais pour gamer, jouer par plaisir. Je sais pas, j'ai eu le temps de les prendre. Hein? On a encore rien vu. C'est que le deuxième niveau. Ah, c'est vrai, il est pas pareil comme la version arcade. La version arcade, il y a un train à gauche. Oh, c'est trop hot. J'avais trippé quand j'étais jeune. Oh, bon, est-ce qu'on le garde? C'est plus prudent de garder un small bomb pour lui. C'est assez hypocrite. Je suis pas tout le temps à l'aise avec lui. De toute façon, il est pas dur. Il se touche quasiment à chaque fois. Il y en a d'un côté puis de l'autre. Pas trop dur. Ça donne quasiment rien de prendre un arme pour lui. De risquer de se faire toucher avec son boomerang. Ah ben merci Retro Gamers d'être passé. Sinon, c'est réécouté à rediffusion. Là. C'est pas un jeu que je m'inquiète beaucoup de ne pas terminer sans mourir. Avec les possibilités qu'on a avec le cheval qui peut encaisser jusqu'à 3 coups plus la small bomb. Il serait censé déjà être fini. Tantôt j'étais au dernier niveau. Fait que c'est pas un jeu qui est si long que ça. En tout cas, bonne nuit en passant. Puis merci d'être passé. C'est trop gameuse. Fait que j'étais pas sur la small bomb. Je me suis mis à se mettre dessus au cas. Surtout que je dis ça, je manque de faire accoster. Il vend pas de cheval. C'est l'autre bonne femme dans celui-là, il me semble. Et qu'à cause de ça, je me suis fait avoir, j'ai perdu mon... ma small bomb. J'étais un épée. Ils peuvent tirer loin, ils ont une longue portée. Faut être ici. Voilà, faut avoir un temps de réaction, mais on n'a presque pas. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Je vous dirais pas que j'ai pas hâte d'avoir le cheval là. Vraiment hâte. Oh yeah! Tiens, c'est réglé. Là on va être en sécurité. Bon. À défaut d'avoir perdu à ce moment-là. De toute façon, on va rencontrer un vendeur. Bien choisi comme thème, un petit thème indien. Les sites, il y en a pas mal de types de zones.
si tu uses mieux en ligne droite, là. Bon. Perte de temps. Fait que ça, il faut récupérer des balles pour s'en servir. Idiot. De toute façon, je suis un cheval, j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est ma maudite gagnant là du monde. Autant qu'il y a, d'avions en 1942. Les peaux rouges. Pas un niveau qui est qui si commode que ça. Hein? Je rate mon yashishi. J'ai rien que des points. À savoir sont où les points là-dedans. Ah ouais, ça donne de l'argent. L'argent, c'est les points. Ça doit être ça. Allez, j'arrive. Putain d'âge, hein? Ouais. Youhou! Tout en sécurité avec un cheval. C'est pour ça que c'est pas un jeu qui est si difficile que ça, grâce à ça. Mais quand j'étais jeune, j'avais quand même de la misère. Bon, ben. À peu près la moitié du jeu de fête. Bon, se mettre ça à Smart Bomb, c'est ça l'idéal. On va essayer de toffer, voir. Les autres, là, faut jouer avec leur intelligence artificielle. J'ai pas besoin de toutes les armes du jeu, ça sert à rien. Bon, on continue. Je sais pas pourquoi je ramasse tout. Hein. Ah, j'aurais pas dû le prendre tout de suite, ça. Merde. À cause de la petite vague d'ennemis qui arrive ici. Hein. Oh yeah. Bon, un cheval, s'il vous plaît. Oh yeah. Suivre au cul. Allez. Yeah. Hein? Je suis sorti de la merde. Est-ce que je vais garder mon cheval? Est-ce qu'on sera dans cette aventure? Tout un game. Yeah.
suis arrivé. J'ai pu garder mon cheval en plus, c'est rien de mieux que ça. Allez. Ah, salaud. Voilà, on le... Faut pas trop tirer, en vrai. Ah, c'est ça, c'est le truc. Faut tirer juste une petite rafale de balle. Aïe, aïe. Mission accomplie. Oh là, comment c'est du lourd. L'avant-dernier niveau. Musique assez folle. Ah ouais, c'est un niveau là, il peut être chiant aussi. On va se concentrer, on va peut-être l'avoir. Bon, les autres sont fatigants quand ils arrivent de l'eau. Fait me faire toucher, mais... J'essaie de mettre coup d'âme le plus possible. Chier ça. C'est marrant de m'en sortir de l'eau de même. C'était bien joué en esti, ça. Hein, un petit cheval. Ça, ça facilite la tâche. Rendu là, c'est pas si pire. C'est juste un... Oups, j'étais un peu plus large. Pogner une tête de mort, c'est pas grave ça. On en pogne tellement des améliorations dans le jeu, on aurait pu en avoir plus que ça. Ah, j'aurais dû attendre, il y en a plein dans l'eau, j'aurais pu toutes les éliminer. Pas grave. Après, elle replonge dans l'eau, ils m'ont pas couru après. Bon ben, l'autre pancarte, je sais tout ce qu'ils sont, j'ai pas besoin de le payer pour. J'ai tellement joué à ce jeu-là quand j'étais jeune. Je l'ai fait sur ma chaîne YouTube Nintendo il y a approximativement même 2 ans, genre, mettons. Même pas. Un an et demi, 2 ans. Oh. Et toi, avec le cheval, là, une smart bomb en plus. Ben, la smart bomb, on peut pas prendre le magnum quand on l'utilise. Et yeah, salut Lan, 2K. Ah oui, c'est l'ancêtre de Red Dead Redemption. Ben oui, Red Dead Revolver, je sais pas. Ça me c'est ça le nom aussi. Celui au PlayStation 2. Là. Ah ouais, je l'aime Gunsmoke. Sauf là, je trouve aussi bien de prendre la Smart Bomb. Parce que, vous allez voir que ça sera pas si facile que ça, ce niveau-là. Touchez-moi pas, je veux garder ma Smart Bomb. Tant qu'à se faire, on va acheter toutes les dernières armes.
toute une partie à date. En tout cas, je la file la game. Non, salaud. C'est chien ça. Ça demande de la concentration, c'est ça. Oui, mon cheval. Porte-bonheur. Ça me tente pas de muser le poignet, je vous le jure, j'ai une crampe, j'ai mal, je sais pas ce que je joue aujourd'hui. On va faire avec. C'est pas si pire parfois. Là. Merde, le chien. Yeah. Faut les feinter, hein. Monter, descendre, monter, descendre. Faut éviter leurs balles en plus. Faut y aller au bon moment quand ils ont tiré justement. Contourner leur balle. On a quand même une courte portée, mais la portée quand même quasiment la moitié de l'écran. Fait que ça reste que là, en plus ça flash à l'écran. Les balles étaient presque pas visibles. Je les ai vues. Pire. Par chance, j'ai une. Wega, Sony Wega, 32 pouces. Une petite bonne télé cathodique. Parfait pour les jeux de cette époque-là. Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, j'ai un bon bout de fête. J'ai la pancarte, yes! Il est long ce niveau-là. Ah, il y a des jams. Pas si pire jusqu'à maintenant. Quand même mieux à utiliser la Smart Bomb. Je pense que j'étais heureux d'arriver au boss. Il est pas dur nécessairement, il n'y a pas de frère jumeau comme la version arcade, donc... Il est tout seul en solo. Eh, hein, faut pas que je reste poigné là. Imaginez-vous si ça aurait fait ça. Juste avant que j'arrive en plus. La fin du jeu, qu'est-ce que vous en dites? Oh, on va voir. Tiens, toi. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Son fer revient. Ah, il est en deux parties. Par chance, j'ai pas pesé dessus, hein, c'est le timer. Il revient à la force, c'est juste son clone. Hein, toi. Aussi simple que ça, c'est 24-17. Gunsmoke. Après un petit peu d'usure de poignet, réussit sa tâche encore pour la seconde fois. Bon ben, c'est fiable. J'ai
j'ai utilisé les ressources qui étaient à la portée de ma main dans ce jeu. Et oui, dans les options, pour dire que je faisais pas ça quand j'étais jeune, j'allais pas me servir des armes pour battre les boss, puis surtout de la small bomb. Oui, du cheval, évidemment, mais... je devais même acheter des affiches Wanted, tellement j'étais nul. Là, c'est cool. Je m'améliore. Un jour, je pourrais essayer de le faire sans cheval, sans utiliser d'armes. Ça serait encore plus tough. Là, ça serait un méchant défi. Ouais, là-dessus, il y en a certains qui vont peut-être pouvoir aller se coucher et aller dormir en paix. Au moins, vous aurez pas eu l'occasion de me voir jouer pendant une semaine de temps à ce jeu-là. Ça va pas été trop long. Ouais, j'aurais pu essayer mon autre copie. J'en ai deux. Je sais pas laquelle j'avais utilisé pour mon vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Vitendo. Ouais. Bonne question. De toute façon, c'est le même jeu. C'est juste une variance de la boîte. Bonne nuit à toi, Max War. Fait que si j'appuie sur Start, c'est un jeu qui nous exige de continuer à nouveau avec un niveau de difficulté supplémentaire. Bonne question. Je suis bien content de l'avoir réussi. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ça, évidemment. Donc, quel sera le jeu suivant? Comme je l'avais présenté aussi la dernière fois, 1942, mais beaucoup plus difficile que Gunsmoke. Ça, c'est mon avis personnel, beaucoup plus long. Prend quasiment trois fois plus de temps. C'était ça, Gunsmoke. C'est un de mes jeux d'enfance préférés. Qui va toujours être chaud dans mon cœur.